Yo, salut, c'est Glow et Zeta. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tutoriel pour faire une voiture dans Minecraft. Ça va être ma première vidéo et j'espère que ça va bien se passer comme les autres. Je vais directement me rendre chez moi par ce portail. Ah. Les modèles des voitures sont ceux-ci. La voiture familiale, on pourrait dire un 4x4. Et la voiture sport a une place, elle en a deux, a une place. La voiture sport. J'ai placé les dimensions des voitures pour commencer. Pour commencer, on aura besoin de laine noire et de dalles de pierre. Pour la voiture utilitaire, ben, familiale, on devra placer la première roue avec un bloc d'espace et notre roue. Après ça, on comptera 1, 2, 3, 4. 4, pardon. Et on placera. Et au cinquième bloc, on placera notre roue. Et voilà ce qui donne ça. Donc ici, c'est 4 avec un décor. Et ici, ça va être 3 avec un décor. Donc, pour commencer les voitures, on va placer 3 dalles comme ça. On va faire tout le trajet entre les deux. Entre les roues avant et les roues arrière. On placera 3 dalles comme ça. 4 ici. Et on va refaire ça de l'autre côté pour que ça soit bien parallèle. Pareil pour la voiture sport. Non, pas pareil, désolé. La voiture sport, elle ne touche pas par terre. Ben, elle touche par terre, désolé. Donc pour commencer, vous allez choisir la couleur de votre voiture. Toutes les couleurs de laine sont permises. Je vais la faire en bleu pour que ça soit différent. En bleu foncé. Et le bleu cyan, bye bye. Et l'autre, je vais la faire en orange. Voilà. Donc ici, on va d'abord commencer par faire 3 comme ça. Tout ce qui va être ligne, capot, etc. va être en tapis. Donc ici, ouais, on va placer ça comme ça. Après ça, on va en placer un ici pour que ça fasse ça. Après ça, on en place 3 comme ça. 3 en avant. Comme ça. Et si vous voulez faire un plancher à votre voiture, on va faire ça comme ça. Ok, la laine lapis-lazuli est revenue. Mais ce n'est pas grave. Là, on va faire aussi la carrosserie de l'autre voiture parce que elle était un peu faite en même temps. On va la faire en bleu marin. En laine bleue. Donc, ici, ce qu'on va faire. Rien du tout. J'avais un petit soupçon. Donc, ici, on va prendre du bois d'Axia, ouais, j'avais raison. On va le placer comme ça. Pour que ça fasse une genre de grille de moteur, je sais pas comment vous dire ça. Et là, ce qu'on va prendre, on va aller dans du verre et on va prendre un enclume et des tapis de la couleur de votre voiture. Moi, j'aime les lignes blanches sur les voitures, donc je vais prendre des tapis blanc et bleu. Le bleu, on va virer lui, on va mettre ça là. On va placer l'enclume comme ça, pointant vers l'avant du véhicule et l'arrière. On va dire ça comme ça. Et on va se mettre en snake. Et après ça, on va placer ici. Oups, désolé. Placer ici tapis bleu, deux tapis bleus, deux tapis bleus. Une laine blanche au centre. Et par la suite, on va prendre du vert noir. Et on va faire le tour de la voiture. Pour ensuite désolé. Ouais. Pour ensuite faire cela, on va prendre la couleur de votre laine que vous avez choisie. On va remplacer une là, ben comme ça. Ce qui va donner comme ça. Avec à la deuxième vitre, vous allez placer un bloc de laine. Alors ça, vous laisserez passer 2 blocs de vitre, un bloc de vitre, un bloc
et ça devrait donner l'en avant de votre voiture. Ben, les fenêtres, bien sûr. Après ça, on va aussi s'avancer dans l'autre voiture parce que elle est moins avancée. On va remplacer le tapis bleu par le tapis orange. Et ce qu'on va faire, on va couvrir les roues. Placer deux tapis blancs au centre. Pareil pour l'autre, désolé. On va placer deux tapis orange, deux tapis orange. Après ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va placer deux laines orange, une, deux. Car ça, vous allez prendre du quartz. Ça va être la seule fois qu'on aura besoin d'utiliser ici. Mais dans ce modèle de voiture. On va faire comme ça. Et comme cela. Ici, ce qu'on va faire. Si vous voulez embarquer dans cette voiture, c'est pas une voiture vraiment pour embarquer dedans. Tandis que l'autre est plus pour embarquer dedans, mais elle non. Donc ce qu'on va plutôt faire, pour la décoration, c'est une voiture de décoration. On va placer de la laine noire. Ici, au centre. On va placer des tapis blancs. Et 3 tapis, 6 tapis orange pour le tout. Et voilà. Donc ça nous donne une petite voiture. Mais on n'a pas encore fait les détails. Oh, désolé. J'ai fait une petite erreur. Je viens juste de remarquer. On va prendre un four. On va ça par ça. Se mettre en sneak. Ok. Et placer ça comme ça. Maintenant, on va passer au toit de la voiture utilitaire. Ce qu'on va directement faire, c'est prendre du fil. Si vous connaissez cette astuce, vous savez déjà qu'est-ce que je vais faire. Du tapis blanc là. Et après, on prend notre laine bleue. Ouais, notre tapis de laine bleue. Ça dépend de la couleur de votre voiture, encore une fois. Oh, désolé, je vais mettre le jour. Et voilà, le jour est venu. On va placer partout de la laine bleue, sauf sur la ligne du centre, parce que si vous voulez préserver la ligne de la voiture, ou bien si vous ne faites pas de ligne de voiture, c'est pas une ligne pour des vinyles, vous en faites pas, ce n'est pas grave. Donc ici, on va prendre des escaliers. Moi, je vais prendre des escaliers en nether brick pour que ça soit plus cuir. On va placer une, deux. On va placer du fil partout au centre. Et après ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer plein de laine bleue sur le fil. Et voilà, donc ça, on dirait que ça tient comme par magie. Et voilà. Bon, nous allons directement passer aux détails. Pour faire les détails, nous aurons besoin de cadres, de vitres. Teinté jaune, orange, rouge, de boutons et de pancartes. Et voilà. Et des échelles, désolé. Donc, directement, ce que nous allons faire, c'est placer une échelle pour le moteur là. Une échelle pour le moteur là. Nous allons placer un cadre. Et un autre cadre ici avec du rouge, des vitres jaunes sur chaque côté. Vous pouvez aussi placer de la glowstone ou bien des cylinders qui vont faire un très beau style ici. Des lanternes de la mer, la traduction. Alors ça ici on veut placer du cadre, etc. Après ça ici on veut placer cadre, cadre. On vise. Là, on place le bouton, notre bouton. On vise, ouais, on place, oh, désolé, encore une fois. Nous allons placer un bouton ici, un bouton ici. Après cela, on va placer la voiture sport, on n'a pas de clignotant. On va placer ici, ici, on va placer comme ça, comme ça. Après cela, nous allons. Et si vous voulez faire une plaque d'immatriculation, c'est simple. Vous allez faire comme ça. Vous allez faire un message. Moi, je vais écrire, par exemple, une plaque au hasard. Je vais écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous avez une plaque.
Écrivez n'importe quoi, ça vous tente, là, ça peut faire des plaques jolies. Alors ça, pour cette voiture-là, est-ce qu'on va faire? On va faire cela. Ici, vous voulez encore écrire une plaque et cela. On va mettre deux cadres, deux rouges pour les lumières de frein. Passer encore un ici et le clignotant. Un autre ici et le clignotant. Nous allons mettre un autre bouton en visant les coins. Bouton cadre, pareil pour toutes les roues. Donc ici on va faire la même chose, plaçant notre bouton ici. Après cela, on va prendre des pancartes encore une fois, en avant, en avant, en avant. Et vous pouvez mettre des mannequins à l'intérieur si vous voulez entrer dedans. Celle-là, je vous conseille pas, je crois, parce que je crois qu'il faudra casser des blocs. Mais elle, je crois que vous pourriez rentrer si vous mettez un mannequin dedans. Ça peut faire des choses assez cool, comme par exemple si j'entre dans cette voiture. Regardez. Et voilà, on se croit vraiment à la place du pilote. Après cela, oh, je me suis coincé. On va prendre des dalles. Ben, je vais prendre des dalles de Netherbrick pour réparer la voiture que j'ai cassée. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quel matériau, hein. N'importe lesquels qui vous tentent pour faire vos voitures. Et voilà ce qui conclut ce tutoriel. N'hésitez pas à mettre sur pause ou à revoir certaines parties. J'ai oublié quelque chose, désolé. Je regarde vraiment tout avant de. Et voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause, reculer, comme que je le disais tout à l'heure. Et aussi à me donner des idées pour faire d'autres véhicules. Comme des autobus ou n'importe quoi. Je vais essayer de relever le défi. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et donner votre avis sur ces voitures. Ces voitures ordinaires, on pourrait dire. Bye.